Bonjour, Jane. Bonjour. Je suis un peu en retard. Mais rien. Comment va votre père? J'avoue que cette exposition a eu pour effet de déranger mon paisible goût pictural. Les images abruptes de la crucifixion de Jésus m'ont hérissé. De zéro pendant la guerre, en 8 lettres. Kamikaze. Ah bon? On fait un petit tour? Est-ce que tout le monde m'a bien remis sa grille de mots croisés dûment et correctement remplie, s'il vous plaît? Merci d'avance au retardataire. Excusez-moi. Merci. Dès que vous êtes en possession de vos bagages, allez directement à la loge des gardiens qui vous remettront les clés de vos chambres. Excusez-moi, vous devez tous donner vos mots croisés. Et vous n'allez pas vous moquer de moi au moins? Non, vous risquez de gagner un prix. Ah bon? Et qu'est-ce que ça va être ce prix? Je ne sais pas, quelque chose qui aura un rapport avec ça. Si je vous le donne, vous n'allez pas rire de moi, hein? Mais non, tenez, si je pouvais le faire, c'est à vous que je donnerais le prix. Vous avez 2 clés, n'est-ce pas? 2. Cette petite clé qui est là, nous l'appelons la clé Yel. Vous avez compris? On ouvre la porte du dehors avec cette petite clé. Après l'heure de fermeture qui est à 22h30 tous les soirs, alors ne l'oubliez pas quand vous sortez, d'accord? Ensuite, vous avez l'autre clé. Avec cette clé que nous avons baptisée la grande clé d'appartement, vous pouvez pénétrer dans votre chambre individuelle, d'accord? Votre nom? Yukio Lee. Comment vous appelez ça, Monsieur Lee? Ça s'écrit avec un Y. Monsieur Yukio, c'est au 3e étage. Ichi. Ah, je vois.
Alors vous avez deux clés, une grande et une... Je vais aller lui montrer. Kochira. Excusez-moi. Pardon. Elle ne peut pas s'empêcher de montrer qu'elle sait parler le japonais. Heidi Wettinger. Tenez, mademoiselle, voici deux clés. Une grande et une petite, d'accord ? Que croyez-vous qu'il puisse faire ? Éviter la chute, tout simplement ? Oui, je fais bien un petit peu de vin. Quand on a été aussi haut dans la hiérarchie, il ne reste plus rien à faire d'autre que se maintenir. Vous êtes enseignant ? Non, mais j'ai besoin de l'anglais dans mon travail. C'est comme moi. La nourriture était plutôt bonne, mais je trouve qu'elle était un peu trop pimentée à mon goût. Vous auriez dû partir en vacances pour vous détendre un peu. Oh non. Vous avez l'air fatigué. Vous trouvez ? Bien sûr, et on voit que vous êtes tendu. Notre ami n'a pas l'air d'avoir faim. Ça doit être le voyage. Par contre, je vous trouve très porté sur la bonne chair, vous. Ça dépend laquelle. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente comme travail d'organiser ces cours d'été fatigués ? Ces étudiants viennent des quatre coins du monde. Certains ne mangent pas de viande, d'autres ne boivent pas. Ah, je vous comprends, c'est une véritable plaie. Quoi ? De quoi est-ce que vous parlez ? Des sobres. Des partisans de l'abstinence éthylique, des anti-alcooliques. Ils n'ont rien compris à la vie, ceux-là. J'ai ressenti un malaise tout d'un coup. Excusez-moi. Je ne me sens pas très bien. Je vais me retirer dans ma chambre. Il n'a pas l'air de se sentir très bien, en effet. Il a même failli s'évanouir, le pauvre homme. Oui, je sais, je l'ai vu. Je suis né à Cologne. J'ai passé toute ma vie là-bas, depuis 1937 exactement. Ah oui ? Ça fait très longtemps. Oui. J'y ai connu la guerre. C'est ce que vous vouliez savoir, si j'ai connu la guerre ? Eh bien, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en général, personne ne s'en souvient vraiment, et c'est mieux comme ça. Non. Non, non, la guerre ne sera jamais oubliée, vous entendez ? Jamais. Je vous prie de m'excuser. Jamais. Comment est-ce qu'ils étaient ? Quoi ? Eh bien, les mots croisés. Oh, je les ai trouvés excellents. Je ne savais pas que vous fumiez. Ça ne m'arrive pas très souvent. Merci d'avoir conçu pour nous ces mots croisés. C'est très gentil. Qu'est-ce qu'il y a ? L'inspecteur Morse pourrait remettre le prix maintenant afin que je puisse faire un petit discours de bienvenue et qu'aussitôt après, nous puissions partir au plus vite. Bien sûr, professeur. Je me demande s'ils se sont aperçus que j'ai emprunté toutes ces définitions à des grilles déjà existantes. Je vous demande pardon ? Non, c'est moi qui vous demande pardon. Je suis un affreux pêcheur. Entre autres, ce kamikaze, ce pilote de zéro, je l'ai trouvé sur un emballage de biscottes. Tout ça pour vous séduire. Je ne savais pas. Non, c'est pas grave. J'ai essayé de vous voir, j'ai téléphoné. J'ai su que vous l'aviez fait. Je suis désolée. Ça a été un choc. Oui, je sais. C'est toujours un choc quand ces choses-là arrivent. Votre père devait être très faible. Oui, très faible.
Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je suis content que vous m'ayez invité. Je savais que je vous serais utile. Dites-moi, chère Jane, pourrait-on passer à l'acte tout de suite en se débarrassant de cette cérémonie ennuyeuse? Je me demande d'ailleurs ce qu'en pense l'inspecteur. Avant de céder la parole au professeur Wilfred Mulrein, je vais avoir l'honneur de demander à l'inspecteur Morse, ici présent, merci, de bien vouloir se lever pour remettre le grand prix au gagnant de notre concours de mots croisés. Non seulement il s'agit d'un policier remarquable, mais l'inspecteur Morse est aussi un cruciverbiste émérite, ingénieux et subtil que nous pouvons être fiers de connaître. Monsieur l'inspecteur Morse, c'est à vous. Finalement, on peut dire que tout est question d'indices. Quoique dans l'ensemble, les mots croisés soient bien plus passionnants et exotiques, dirons-nous, que le métier d'un policier. Encore que dans leur comparaison immédiate, on puisse trouver le même attrait d'une solution à rechercher, d'une réponse à une énigme posée par les circonstances dans le cas du meurtre ou conçue dans celui des mots croisés. Mais alors, il ne s'agit plus de meurtre, non? Je vois ça comme des silences, plutôt. Le silence d'une femme, par exemple, ou celui d'un mari, d'un fils, ou même d'une fille. Il n'y a plus de mots, de bavardages, de cris, d'arguments, d'insultes. Les insultes mènent davantage au meurtre qu'à la concorde, d'après mon expérience. Et... Madame Warbot, à l'appareil. Madame Warbot, un de nos étudiants du stage d'été ne se sent pas bien du tout. C'est Yukioli. Ne vous en faites pas, ce n'est sûrement pas grave. Il est dans sa chambre. En effet, oui. Mais peut-être que le gardien devrait aller voir comment il va en ce moment. C'est idiot, excusez-moi. J'aimerais que quelqu'un aille s'assurer qu'il va mieux. Tout de suite. J'ai besoin de savoir. Allô? Notre gagnant est Monsieur Kurt Friedman. Félicitations. Pas maintenant. Soyez les bienvenus, mes amis. Pour commencer, voici d'abord un petit guide de poche. Il vous indiquera où sont situés tous les collèges, il vous donnera aussi la position géographique exacte de toutes les toilettes publiques de la région et d'autres choses tout aussi fascinantes. Si vous vous perdiez dans la nature ou si on vous volait votre guide, prenez donc la peine de vous adresser aussitôt, sans aucune réserve ni pudeur, à un de nos policiers. Saepe et sub palio sordido sapientia. Ce qui veut dire, la sagesse est souvent cachée sous une apparence miteuse. Thomas. Thomas, avant que je m'en aille d'ici, j'aimerais que tu ailles voir comment va le fils du dojo. Sois courtois avec lui, mais sans courbette. Vois s'il va mieux ou s'il faut lui envoyer le docteur. Numéro 1 au 3e étage. Jane Robson s'inquiète pour lui. Elle aimerait bien savoir comment il se sent. Ce type-là doit avoir une diarrhée. Ne t'avise pas de nettoyer dans ce cas-là. Ce n'est pas ton boulot. Laisse-le se vautrer dedans. Vous avez l'air de ne pas tellement aimer les Japs. J'ai de bonnes raisons pour ça, jeune homme. Je n'en doute pas une seconde, madame. Il y a beaucoup
pas voir chez nous énormément de choses plaisantes, enrichissantes pour l'esprit, qui satisferont votre curiosité et sauront vous apporter mille menus plaisirs corollaires. Alors soyez très attentifs, sachez apprécier notre Oxford, abreuvez-vous de cette multitude de splendeurs que vous y puiserez, mais sans vous laisser embrouiller par tel ou tel détail, car ce qui compte avant toute chose, c'est que vous sachiez nous embrasser. Je parle naturellement du point de vue spirituel. Est-ce qu'il se gargarise souvent comme ça ? Avec toute la présence de votre âme, ayez le cœur et les bras ouverts pour cueillir ce merveilleux fruit culturel que représente notre cité. Il y a eu un accident, chambre numéro 1 au troisième étage. C'est à vous. Je disais donc que vous deviez tirer profit au maximum de ce séjour afin que vous en soyez tous... Personne ne doit sortir d'ici. Vous avez déjà un aperçu de l'hospitalité de certains de nous. Après vous, je vous en prie. Bonsoir, Max. Bonsoir. Tu en as une belle tenue de soirée. On a dîné, à ce que je vois. Eh bien, moi, pas. Tu as vu ça? Quoi? Ah. C'est une langue, mon petit vieux. C'est de l'ouvrage bien fait. Ah. Blessure aux mains, aux chevilles, aux poignets, aux pieds. La bouche fendue d'une oreille à l'autre. Le couteau enfoncé dans la poitrine. Ah, une vraie boucherie. Oh, mon Dieu. Bonsoir, Lewis. Où étiez-vous passé? Allez dans la salle de bain, c'est là qu'il a lavé le sang. On devrait y trouver quelque chose. Au fond du lavabo, peut-être. D'accord. Alors, où est-ce que vous étiez? J'étais à la maison, monsieur. J'étais ici, moi. Je suis obligé de tout faire, moi. Eh ben oui, vous étiez là. Oui, j'étais là, justement. Dépêchez-vous, allez jeter un coup d'œil. Ne restez pas là, ne rien faire. Cet homme-là était mort, mais je pense qu'il était encore chaud. Tu entends ça, Max? Je t'apporte une petite contribution. Savez-vous ce que ça veut dire, encore chaud? Oui, ça veut dire qu'il est mort depuis peu de temps. Précisément, et pendant que j'étais ici. Vous êtes sujet au cauchemar, sergent? Non. Oh, pas lui, non. Les films d'horreur et les polars ont été les deux mamelles du flic de choc qu'il est devenu. Je trouve bien amer, inspecteur. Je pense que l'heure de sa mort se situe entre 20h et 21h. Sans blague. Comme je te le dis. Quand on y réfléchit bien, monsieur, il n'y a pas eu tellement de sang. C'est déjà trop pour moi. Je suis ici depuis plus d'une demi-heure et je... Et il y a Shakespeare qui nous fait encore son numéro. Ah, vous voilà. Vous allez peut-être pouvoir nous libérer. Il y a eu un meurtre de commis, professeur. Mais vous êtes sérieux? Vous pouvez partir, mais je vais avoir besoin de vous parler. Où serez-vous? Dans mes appartements, bien sûr. Que ferez-vous du personnel?
Pourquoi les heures supplémentaires vous inquiètent? Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, inspecteur. Les temps sont durs. Si nous ne faisons pas attention à ce genre de détails, nous serons bientôt à la rue. Des heures supplémentaires. Vraiment, il ne manquerait plus que ça. Est-ce que vous connaissiez un peu vos étudiants dans ce groupe? Non, pas vraiment. Écoutez-moi, un des étudiants de votre groupe a été victime d'une attaque tout à l'heure. Il s'agit d'un jeune homme japonais. Le patronyme de ce jeune japonais était Yukio Lee. Il a quitté la table au cours du dîner parce qu'il se sentait mal. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Est-ce que quelqu'un d'entre vous le connaissait ou c'est quelque chose de lui? Qui était assis à côté de lui? Moi. Heidi. Vous, mademoiselle? Mais je ne le connaissais pas. Mais ça ne fait rien, il faut bien commencer par quelque chose. On va y passer toute la nuit, sinon... Le sergent Lewis, ici présent, se fera un plaisir de recueillir quelques dépositions préliminaires. Il va nous falloir un interprète, sans doute, non? Ce ne sont pas des débutants. Tant mieux. Vous avez un fichier sur eux? Ça ne va pas? Ce n'est rien, ça va aller, merci. Bon. Est-ce que vous avez des fiches de renseignement sur vos étudiants? Dans le bureau de l'économat. Vous pourriez me les procurer à cette heure-ci? Je peux aller n'importe où avec mes clés. Tout de suite? Oui. Mon sac. Ce n'est pas nécessaire. C'est plus prudent. Bon, eh bien nous allons essayer de nous trouver une autre pièce. Est-ce que vous voulez bien? Que tout oui, va bien. Je vous l'ai déjà dit. Écoutez, Jane, souvent, lorsqu'un malheur arrive, quelque chose d'effrayant, par exemple, surtout quand il s'agit d'une personne qui vous est très proche... Ce n'était pas quelqu'un de proche pour moi. Je le connaissais même pas. Non, non, je voulais parler de votre père. Avec une clé? Oui. Tout le monde en a eu? Non, il n'y a que les étudiants les plus âgés qui en ont eu. D'aller un peu partout. On est bien obligé de garder certains endroits fermés. Sans ça, qu'elle travaille. Ça vous obligerait à faire un surplus de ménage. Je suis désolée, vous n'avez pas trop mal? Si. Il a souvent été question d'abattre cet arbre. C'eût été un crime. Bon, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si quelque chose de profondément triste vous afflige subitement, il est normal, enfin, il est tout à fait naturel, parfois, d'être amené à en parler à d'autres, à confier son chagrin. Mais je veux parler de votre père, bien sûr. Parfois même, les circonstances... font qu'un étranger en soit témoin. Encore que, dans mon cas précisément, je ne me sente pas au sens propre un étranger pour vous. Nous avons tout de même été très proches. Et j'ose croire que nous sommes toujours amis. Écoutez, ce n'est vraiment pas le moment. Oui, je sais, je sais. Qu'attendez-vous que nous fassions? Rien, je voulais juste vous dire que je comprends certains de vos sentiments, c'est vrai, je vous comprends, Jane. Vous désirez me parler, monsieur l'inspecteur? Oui.
J'étais en train de vous parler des cours. Pardon ? Que voulez-vous que nous fassions ? La plupart de ces étudiants ont sacrifié beaucoup d'argent en voyage et en frais de scolarité. Ils sont venus suivre des cours et s'il y avait un empêchement, enfin, vous comprenez ? Tout ça peut très bien s'arranger. Nous les interrogerons et ensuite, ça dépend de vous. Il ne vaudrait mieux pas. Enfin, je sais pas. Mais ça dépend de vous. C'est vous qui jugez de votre intérêt. Comment s'appelait-il déjà ? Excusez-moi. Yukio Lee, dans l'ordre alphabétique. Oui. La lettre L, alors ? Non. Non, non. Lee, en réalité, c'est son nom de baptême. J'imagine qu'il devait être chrétien. Mais pourquoi le serait-il ? C'est vrai, après tout, pourquoi ? Pourquoi ne serait-il pas autre chose ? Jane, asseyez-vous. Il y en a bien qui sont chrétiens. Quelques-uns. Tout comme nous. Madame Robson, asseyez-vous ici, voyons. Est-ce que vous voulez que je vous apporte quelque chose à boire, un verre d'eau ? Je vais vous faire un peu de thé. Oui, du thé, ça c'est une bonne idée. Je n'ai pas envie de prendre une tasse de thé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tous ces cours ? Il faut que je trouve une solution. Vous pouvez toujours agir comme vous l'aviez prévu. Il suffit que de notre côté, nous puissions démêler cette affaire dans la nuit. Ah, voilà, je l'ai. En plus, c'est traduit. Qu'est-ce que vous savez sur lui ? Ah, il avait une femme. Je ne sais rien de cet homme. Il va falloir que quelqu'un prévienne sa femme. Bon, nous le ferons en temps voulu. Bon, eh bien, je crois que vous allez pouvoir boire votre thé et rentrer chez vous. Je vais devoir interroger chaque personne présente. C'est la procédure habituelle. Mais il faut le faire et ça prend du temps. Alors profitez-en pour vous reposer. Merci. Comment s'appelle-t-il déjà ? Yukio Lee. Est-ce que je peux savoir ? Ce gars-là est mort entre 20h et 21h. Et ça, je le savais déjà. Prétentieux. Et autarcique. Je l'ai vu sortir et au cours du dîner, je l'ai découvert par terre. Je peux savoir à quelle heure il est mort. Un net avantage sur moi, je ne fais qu'appliquer ma science, moi. Faudra arroser ça, une fois n'est pas coutume. Alors, est-ce que c'est lui ? Tu sais lire, au moins, oui ? À jeun seulement. Parfaitement. Il s'agit de ce monsieur. T'en es sûr ? Regarde toi-même. C'est clair ? Pas toi, en tout cas. Bon. L'heure du décès, l'identification positive, ça ne sonne pas juste. C'est très possible. Je signale que je n'ai pas encore mangé. Je ne suis pas Superman. Quant à lui, il écrit dans la rubrique infirmité physique que vous devez obligatoirement signaler. La visibilité de l'œil empêche que je joue au ballon, vu que je suis dans l'incapacité de voir le ballon en question. Je sens que tu as encore besoin de moi. Et tu pouvais m'aider à éclaircir ça. Ah, écrivez-vous correctement l'anglais ? Il a répondu oui. C'était un menteur. Il doit se séparer de sa femme quelque temps demain. Je dis que les Japonais ont des idées pour la fabrication des voitures. Comment pouvez-vous travailler avec ce fond sonore ? J'y fais même pas attention. Ça vous rappelle l'ambiance de la maison ? Je trouve ça très drôle. Ils ont un accent lamentable, plutôt amusant. Vous trouvez que c'est un exemple pour les jeunes gens qui recherchent la perfection ? Hein ? Cambridge ? Exact. Mais qu'est-ce que vous faites à Oxford ? J'essaie de gagner quelques sous. En tant qu'enseignant ? Homme à tout faire, ça vous va ? Moi, je n'ai pas de préférence, vous savez. Excusez-moi. De rien. En général, j'organise les déplacements. Je suis là pour distraire tout le monde, pour poser des colles, ramasser les mots croisés. Qu'est-ce que vous avez fait hier ?
Je suis venu en bus depuis la gare Victoria. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Pas grand-chose. Je me suis installé. C'est ce que tout le monde a fait aujourd'hui, s'installer? Je suppose que oui. Qu'est-ce qui a pu le rendre malade, d'après vous, ce jeune homme japonais? J'en sais rien. Enfin, quoi, donnez-moi votre avis. Ce qu'il aurait mangé ou bu? Je sais pas. Qu'est-ce que vous étudiez? Médecine. Vous voyez bien. Alors, relatez-moi ça. Que s'est-il passé? Il n'a rien mangé. Il a tout laissé dans son assiette. Il a consommé du jus d'orange, un peu de pain. Il n'avait pas faim? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a mangé dans l'autocar? Est-ce qu'il était dans le vôtre d'abord? Je ne sais pas. Vous avez parlé à la fille, Lewis? Oui. Est-ce qu'elle l'a vu manger, le japonais? Je ne l'ai pas demandé, monsieur. Est-ce que vous avez vu le japonais pendant la journée? Je l'ai vu circuler un peu partout. Où ça exactement? Ici, en ville, ou... J'en sais rien. Dans le bar. Que faisait-il dans le bar? Il buvait du jus d'orange? Oui. Vous lui en avez offert? Moi? A-t-il parlé à quelqu'un? Oui. Qui? À notre ami allemand, Friedman. Et à Jane Robson. Et tout ce qu'il a bu, c'est du jus d'orange. Il manquait de savoir-vivre. Vous savez qu'à force de consommer des oranges, on finit par avoir une drôle de couleur. Ouais, peut-être marre des citrons. Lewis, vous êtes irrésistible. Ouais, est-ce que c'est terminé? Mais oui, c'est terminé. Je peux partir? Oui, terminé, pour le moment. Jane Robson. Discutez avec elle. Vous êtes attiré par les Japonais, vous? Que voulez-vous dire? Ça semble être le cas de certains. Je comprends pas. Je trouve d'ailleurs que vos questions sont parfois tendancieuses. Il avait l'air un peu nerveux. Vous avez remarqué, Lewis? Ouais, j'ai remarqué. On aurait dit qu'il allait sauter sur la table de billard. On fait une petite partie? Non. Je préfère en finir au plus vite et rentrer chez moi. Deux personnes n'étaient pas présentes dans la salle. Madame Warbutt, responsable de l'Economa, et Ralph Thomas, le gardien du collège. Croyez-vous qu'il soit dans le coup? Non, je ne crois pas, monsieur. Non, je ne crois pas, monsieur. Et bien, moi non plus. Monsieur Friedman. Oui? On vous a donné une autre chambre. Ah, merci. Prenez vos affaires pour la nuit. Vous récupérez le reste plus tard. Nous avons ouvert la suite de l'étage. C'est la chambre 23. Merci. Je voudrais monter. Ce n'est pas possible. Vous avez changé d'étage, de toute façon. Mais je vais aller dans ma chambre, si vous... Non, mais pourquoi est-ce que... Je vais aller dans ma chambre, je vous dis. Jeune homme, votre chambre a changé. Mais pourquoi? Messieurs, si vous voulez bien m'excuser... Attendez-moi ici, monsieur. Je viendrai vous chercher pour prendre vos affaires, après avoir accompagné ce monsieur. J'ai vu son cadavre. Il y a du sang un peu partout. Un drôle de gâchis, tout de même. Vous l'avez vu sortir, hein? Oui. Il n'y a rien de tel, après un choc émotionnel, qu'une petite goutte de brandy, devant la chaleur de l'âtre. Je me félicite de vivre entre ces murs épais, car il n'y fait jamais très chaud, voyez-vous. C'est une excuse bien pratique, somme toute, pour faire jaillir quelques flammes dans cette cheminée de temps à autre. Comment vous sentez-vous à présent? Très bien. Quelle sale affaire tout de même. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous avez un très bel appartement. Et n'est-ce pas? Vous y vivez seul? Désespérément seul. Je vous remercie beaucoup, professeur. Je vous en prie, très cher. N'hésitez surtout pas à taper à ma porte. Bonne nuit. Entrez, sergent. «
Je suis inspecteur. Absolument, suis-je bête, j'aurais dû m'en souvenir. Vous êtes pointilleux là-dessus. Non, pas toujours. Non, c'est normal, je suis moi-même très sensible aux formes. Il faut respecter certaines subtilités. Ce genre de choses se produit hélas quelquefois dans l'armée. Un lieutenant-colonel, par exemple, est appelé colonel. Il y a là tout de même une nuance qu'il faudrait souligner. Je suis en adéquation avec ce genre de choses. J'approuve complètement. Vous devriez vous asseoir. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'un meurtre abominable a été commis dans votre collège et que vous n'avez pas l'air franchement concerné par ce qui arrive. Vous vous trompez, je me sens tout à fait concerné par les conséquences commerciales qui risquent de découler de tout ça. Ce pauvre jeune homme a été victime d'une agression particulièrement sauvage, professeur. Pauvre jeune homme, c'est affreux. Quelle chose horrible que cette mort dans de telles conditions. Je l'ai vu surgir tellement de fois. J'en ai connu, vous savez, de pauvres individus qui sont sortis les pieds devant de ce collège pour aller droit au paradis, dans un petit sac en plastique. Je n'ai décidément aucune envie de m'asseoir, professeur. On saura sûrement plus demain matin, monsieur. À moins que vous les laissiez rentrer chez eux. Non, pourquoi devrais-je le faire ? Comme tout, je suis pour la culture, le rayonnement international de notre belle civilisation. Malgré les doutes profonds que j'ai sur elle. Vous n'avez rien à faire, là ? Non. Tant mieux. Vous savez, moi, les cadavres... C'est lui, n'est-ce pas ? À première vue, oui. Mais pourquoi on lui a fait un sourire comme ça ? Oui, pourquoi ? On lui a coupé la langue. Ah bon ? Tu me soulages, j'ai cru pendant un moment qu'il s'était figé dans un éclat de rire. Oh, tranché avec un couteau. Merci. Dans l'estomac, il y avait du jus d'orange, des chips, il en avalait plus que moi. Arthur ! Mis à part diverses lacérations, il porte des balafres aux poignets et aux chevilles, ainsi qu'aux... On dirait que nous avons affaire à une sorte de rituel. Une tradition japonaise, peut-être. Je n'ai pas encore fini. Alors, si vous permettez, messieurs, nous constatons qu'il y a des trous dans la paume des mains, ainsi qu'aux pieds. Vous avez peut-être déjà remarqué ce genre de choses dans les lieux du culte chrétien. Crucifixion. Stigmate, inspecteur, le symbole de la souffrance. Certaines jeunes filles ont vécu ce genre de phénomène éruptif dans l'ambiance sacrée d'un couvent. Mais dans son cas, il s'agit d'un couteau. Et le trou dans sa poitrine ? Dehors. Avec plaisir. Sergent, venez voir. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Regardez vous-même, sergent. Mon Dieu. Sont-ils écrits par des hommes ? Pourquoi ? C'est inexact.
Vous vous trompez. Si, je vous assure. Et ces livres-là ont tous été écrits par des hommes. Oh, oh, toi, je t'adore. C'est beau, n'est-ce pas? Non, je ne trouve pas, personnellement. Mon Dieu, pardonnez son ignorance. Il était assis à côté de lui dans le bus et il ne se sentait pas bien. Yeah. Qu'est-ce qu'il ressentait au juste? Qu'avait-il comme malaise exactement? Des maux d'estomac, des nausées? C'est ça, ce genre de choses, oui. Est-ce qu'il vous en a parlé? En effet, oui, un peu. Alors, vous venez de Cologne? Oui, oui. Je connais bien Cologne, j'y ai fait mon service militaire. Il y a de fortes chances pour que vous connaissiez cette ville beaucoup mieux que moi, parce que, voyez-vous, je n'y ai séjourné que quelques années. En fait, je suis né à Leipzig. Vous connaissez? Non. C'est de l'autre côté. J'ai vécu toute ma vie là-bas, avant de venir à Cologne. Marienplatz. Je vous demande pardon? C'est là où j'étais en garnison. Ah, München, Munich. Non, non, en Cologne. Köln. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ouais. Bien sûr, oui. Près du fleuve. C'est curieux, ça. Oui, oui, je vois. Puis-je boire un verre, inspecteur? Vous avez eu une conversation avec ce monsieur Yukioli? À quoi ça peut-il servir de savoir tout ça? Je vous le demande. Il m'avait l'air très méfiant. Pourquoi? Il me paraissait méfiant, je ne sais pas. Plutôt furtif. A-t-il avalé quelque chose? Quelque chose qui aurait pu lui créer un embarras gastrique? Du jus d'orange. Il s'est contenté de boire du jus d'orange. Vous aviez de la sympathie pour ce jeune homme? Je ne comprends pas très bien. Et vous n'avez pas eu une seule fois l'occasion de lier conversation avec ce japonais pendant le voyage? Non. Bon, on a juste lu un peu, fait les mots croisés. Où étiez-vous assis dans l'autocar? Nous étions à l'arrière. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme vous puisse, enfin je veux dire un étranger, puisse remporter un concours de mots croisés aussi facilement. Je vous remercie. Est-ce que Jane Robson vous a félicité? Le docteur Robson? Vous la connaissez bien, n'est-ce pas? Non. Ah, je croyais. De quoi est-ce que vous parliez alors ce matin? Quand, vous dites? Ce matin. Assez tôt. Ah oui, c'est vrai, nous avons parlé des cours. Bon. Je peux m'en aller, c'est terminé? Ja, danke, Herr Friedman. Bitte schön.
Impressionnant. Qui est-ce qui a fait ça? On l'a trouvé dans l'autocar, à l'arrière. On aurait peut-être jeté un coup d'œil sur tous les mots croisés, hein? Vous ne croyez pas? Et ça, c'est quoi? Il y avait une cassette dedans, derrière un siège au fond. Ça, c'est le rapport du labo sur les vêtements du japonais et le contenu de la dite cassette. Dope, de l'héroïne. Dans cette cassette, qui se trouvait dans l'enveloppe jaune, qui était adressée à notre japonais. Ah, il y avait aussi des traces sur ses vêtements. Bravo, c'est de mieux en mieux, décidément. Maintenant, ils vont tous nous tomber dessus, vous allez voir. Tous les auto-satisfaits de la fonction publique, les planqués à la critique vipérine et la boutonnière fleurie. Et le pire d'entre eux, savez-vous qui c'est? Ah, bah, quand on parle de lui, le diable montre ses cornes. Il y a longtemps qu'on l'avait pas vu, celui-là, tiens. Pas le divisionnaire de War, je respecte simplement son espace vital. Mais je vois, oui. Seulement lui, il va vouloir vous parler. Chaque chose en son temps, Lewis. Pour l'instant, j'ai soif. D'ailleurs, vous aussi, vous devez avoir soif. Ne me contrariez pas, s'il vous plaît. Bah, j'ai soif. J'ai l'impression qu'il a perdu le nord, celui-là. Hein. Il marche à reculons. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes qui ont le droit d'oublier, hein? Ça ne me plaît pas trop, ces histoires de drogue. Il y a toujours trop de motivation, c'est trop vaste, trop évident. Il y a toujours trop de monde aussi. Ouais, ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé dans l'estomac? Il y avait du pain, des biscuits, ce genre de choses, quoi. Ah, il y a des chips aussi. Et du jus d'orange. C'est tout ce qu'il a bu. Ouais. C'était un toxicomane? On a de traces que sur ses vêtements. Il y en avait plus dans la cassette? Pas vraiment, non. Mais à mon avis, il devait y en avoir bien plus que ça. Oui. Décidément, ce n'est pas mon rayon. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça. Ça me dépasse. Allons, allons. Vous avez bien une petite idée là-dessus, non? La vie est dure en général, mais elle peut devenir impossible quelquefois. Il arrive à certains d'avoir des coups de grisou. C'est comme vous quand vous buvez de la bière. La bière est une nourriture. Oui, c'est votre nourriture. Que pensez-vous de tous ces gens que vous avez interrogés? Tous ceux à qui j'ai eu affaire personnellement avaient l'air terrifiés. Lesquels? L'Allemand, par exemple. Le jeune homme de Cambridge. Jane Robson aussi. Pourtant, aucun d'eux ne peut l'avoir tué. J'en suis témoin, hélas. Ils étaient tous dans la salle en train de dîner. Aucun d'eux n'est sorti, à part le japonais. Pauvre garçon. J'espère que vous vous sentez triste pour lui. Bon, il faudra que j'y réfléchisse. Non. Non, pas s'il a été mêlé à une histoire de drogue. Exact. Voilà une réaction ordinaire. Ce qui m'intrigue, voyez-vous, c'est que personne ne s'est soucié de lui jusque-là. Et tout d'un coup, tout bascule, tout change à partir du moment où on pense qu'il est peut-être mêlé à une affaire de drogue. Ils étaient donc au courant? Pas vrai? Pourquoi pas? En tout cas, je me demande si je ne serais pas effrayé si un crime était commis près de ma chambre. À l'étage du japonais, il y avait deux chambres voisines. Celle de l'allemand et celle du jeune de Cambridge. Et Jane Robson. Ça a été un drôle de choc pour elle. Il y a eu pas mal de chocs ces temps-ci, en effet. Bon, je m'occupe de tout ça, affaire personnelle. Thank you.
Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être ailleurs, en principe. La partie vous a plu? Je n'ai pas très bien joué. Vous avez roqué suffisamment pour gagner. Nous avons perdu. Je n'ai jamais été aussi mauvaise. Vous tremblez? De froid. Ce n'est pas à cause du froid. Comment êtes-vous venu? Avec ma bicyclette. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cette façon, Jane. Laissez votre vélo. Vous avez des choses à me confier. Si vous le dites. Je vous accompagne, nous pourrons parler dans la voiture. Vous allez vous changer? Oui. Où est-ce que je vous déposerai, à Chris Lane? Non, je vis au collège maintenant. Ah, je ne savais pas. La personne qui a rempli cette grille de mots croisés a fait également celle du journal. Et a mis l'adresse sur l'enveloppe. C'est l'allemand. Il est peut-être allemand, mais il est sûrement plus ingénieux que moi. Je n'aurais pas pu le faire en un jour. S'il vous plaît, arrêtez la voiture. Je voudrais marcher. Non, vous n'avez pas envie de marcher. Je n'ai aucune envie de parler non plus. Je ne vous demanderai rien, rassurez-vous. On va se contenter de faire un tour et vous direz simplement ce que vous voudrez. Vous aimez Elgar? Vous l'aimiez? Vous voulez un peu de thé? J'en sais rien. Mais bien sûr, ça vous fera beaucoup de bien. N'étiez jamais venu ici encore? Quand? Comment ça? Eh bien, quand nous nous sommes connus. Vous m'aviez invité? Non. Non, je crois pas. Vous prenez du sucre?
Asseyez-vous, à moins que vous ne détestiez ce genre de cérémonial. J'ai choisi mes plus belles tasses. Je ne m'en sers jamais, vous savez. Il va falloir d'ailleurs que je vende cette théière. Quelqu'un finirait bien par me la voler un jour. Je n'utilise jamais ce genre de choses. Asseyez-vous, Jane. Oui, oui. Finissons-en. J'ai dit oui. Bon. Il y a quelqu'un d'autre d'impliqué. Oui. Je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé. Il faudra bien. Écoutez-moi au moins, puisque je vous parle. D'accord. Pas de thé, je ne veux pas de thé. Vous avez tort. Enfin. Je n'ai jamais eu de sentiment d'amour pour vous. C'était devenu évident. Mais c'est pas grave. Ça l'a été, mais ça n'a plus d'importance. Yukio Lee n'a jamais été qu'un petit dealer. Comment l'avez-vous su? Il a effectué 2 stages d'été chez nous. Mais surtout, il y a eu ce jeune homme que j'ai connu. Il est mort l'été dernier dans un accident de voiture. Une chose très triste. Plus triste encore du fait qu'il était un jeune homme brillant qui était promis un très bel avenir. J'ai su que sa vie était déjà détruite. Un jeune scout a ramené à Madame Moorbot un carnet l'an dernier. Il avait été oublié par Yukio Lee. Il contenait une longue liste de noms et d'adresses. Il devait s'agir de ses contacts, je suppose. Vous l'avez encore? Non. Je l'ai détruit. Pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, je n'aurais pas dû le faire, j'imagine. Mais j'ai pensé au collège. D'ailleurs, quand Yukio Lee a voulu revenir cette année, j'ai failli refuser son inscription. Est-ce que ce jeune homme que vous évoquiez était étudiant ici? Oui. Comment s'appelait-il? Jeremy Collins. Qui était au courant de ça, à part Madame Warbutt et vous? Il y avait son père. Je lui avais dit. Votre thé va être froid. Je n'en veux pas, merci. Oui. Oui, j'écoute. Comment? Où? Où ça? D'accord. Pas de sang? Non. Pas de mutilation? Aucune. Alors cette fois, c'est plus propre. Quand? C'est arrivé hier soir, pas très tard. Le sang qu'il a au visage provient de sa chute. On l'a étranglé, je crois. Au fait, ton japonais, tu ne t'es pas demandé pourquoi il ne baignait pas dans le sang? Ouais. Un poignard dans le cœur, ça fait tout de même quelques belles éclaboussures, non? Il n'y avait pas pensé, vous. Heureusement que je suis là. Alors, pourquoi il n'y en avait pas, hein?
Eh bien, je vais te le dire, bien que tu ne le mérites pas. Dieu te le rendra en vie. Ouais. Ça va aller? Eh bien, ce n'est pas le couteau avec lequel on a poignardé ton japonais qui l'a tué. Il était déjà mort. Alors comment est-ce qu'il est mort? Par un coup, ou quelque chose d'autre. Les entailles qu'il avait aux chevilles et aux poignets ont servi à masquer le fait qu'il a été ligoté. Comment est-ce possible? Il a passé toute la journée à boire du jus d'orange. Tout le monde en est témoin, on l'a vu faire. Je l'ai vu moi-même quelques minutes avant qu'il ne soit tué. Et sa bouche, elle sourit jusqu'aux oreilles pour qu'on remarque pas qu'il a été bâillonné. Allons-y, les archers, amenez la civière. Il n'était ni bâillonné ni ligoté quand je l'ai vu, moi. Dépêchons, j'ai un bridge à 13h30 exactement. Je t'ai donné mon point de vue, tu auras mon rapport ensuite. Il a été bâillonné et saucissonné au minimum pendant 24 heures. Chance. Tu n'as pas l'air satisfait de ce que je viens de t'apprendre. Qu'est-ce qu'il cherche encore, celui-là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Un suicide? Je suppose qu'il s'agit de ça. Ça n'a rien à voir avec un suicide, voyons. Tu entends ça, Max? Je crois que vous feriez mieux d'attendre que j'ai bien examiné le corps. Oh, j'ai tout mon temps dessus. Il s'agit d'un suicide, c'est le grand Sachem qui l'a dit. Peter a analysé l'écriture qui figurait sur l'enveloppe. Ça a été rédigé par la même personne qui a fait les mots croisés du journal dans le car et qui a gagné le premier prix du concours. C'est lui l'imposteur, Kurt Friedman. Il ne sait pas où est Marianne Platz. Excusez-moi, mais moi non plus. Et pour cause. Mais le fait d'être un imposteur ne fait pas de lui un assassin, n'est-ce pas? Oui, mais il est compromis, avec l'enveloppe jaune. Oui, heureusement, ça fait de lui un meurtrier potentiel. Dingue. On vit dans un monde complètement dingue, Lewis. Ces flics sans imagination, comme Dewar, ont parfois des réactions stupéfiantes, si j'ose dire. Dès qu'une affaire de toxicomanie se déclare, ils adorent ça. Et ils se mettent aussitôt à croire en leur cause. Le problème avec Friedman, c'est que ce n'est pas lui, bien que ce soit un faux jeton et qu'il y ait cette enveloppe. D'ailleurs, personne n'a pu le faire. Aucun d'entre eux n'a pu tuer ce jeune japonais. J'étais là, je les ai tous vus assis devant moi. Pourquoi moi, d'ailleurs? C'est que vous êtes un témoin de choix, monsieur. Le meilleur d'ailleurs. Dites-moi, Lewis, croyez-vous que j'ai été placé là comme un pion? J'éprouve une sensation terriblement désagréable. Depuis combien de temps croyez-vous que je suis manipulé? Vous voulez dire par Jane Robson? C'est mon talon d'Achille, Lewis. Il n'y a que vous qui le sachiez. Est-ce pour ça que je n'y voyais plus clair ces derniers temps? Je ne sais pas, monsieur. On devrait peut-être retourner en arrière. Essayer de réfléchir en japonais. Zen? Pardon? Puccini? Vous voulez parler de Madame Butterfly? Ah, c'est ça. Vous pouvez ranger vos affaires. Au revoir. Au revoir. Herr Friedman est ici? Non. Excusez-moi. Pourquoi? Pourquoi vous voulez le voir? Je peux peut-être vous aider? Quand est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. L'année dernière, peut-être. Oui, c'est ça, l'année dernière.
On a trouvé Graham Daniel dans les toilettes, mort, derrière une porte. Étranglé probablement, bien que mon supérieur pense qu'il s'agit d'un suicide. Oh, non. Vous le connaissiez ? Non, je lui ai trouvé un travail, c'est tout. J'ai oublié les livres. Est-ce qu'il usait de stupéfiants comme Jeremy Collins ? Qui ça, Jeremy ? Je n'en sais rien du tout. Je savais que c'était le cas de Jeremy Collins, mais Graham, non ? Quant à Jeremy... Jeremy Collins, c'était... Enfin, je... Mademoiselle. Heidi, oui ? Qui est l'imposteur ? Je vous demande pardon ? Vous avez rempli votre grille de mots croisés avec « c'est un imposteur ». De qui s'agit-il ? J'ai rempli la grille d'une façon fantaisiste, c'est tout ? Ça ne voulait donc rien dire ? Je me suis amusée à remplir les carreaux. Je vous en prie. Attendez. Je suis suisse. Je connais les Allemands et lui, ce n'en est pas un. Qui est-il, alors ? Je n'en sais rien. Il faut le lui demander. Exact. Merci. Qui peut consulter les fiches de renseignement ? Oh, un peu tout le monde. L'intendant, pour commencer. Il est en vacances actuellement. Le personnel du bureau. Et Madame Wabot. Si M. Friedman n'est pas l'homme pour qui il cherche à se faire passer, il a sûrement fourni son adresse en Allemagne pour qu'on lui envoie du courrier. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il s'agit du père de Jeremy Collins ? Non. Vous en êtes sûr ? Je sais que ce n'est pas lui. Alors qui est-ce ? C'est Wilfred. Tiens, tiens. Vous a-t-il demandé de réserver une place pour Yukio Lee ? Je suppose qu'il a dû le faire, oui. Il consulte toutes les fiches de renseignement. Oui, je sais qu'il le fait. Il m'en a parlé. C'est l'heure du thé, inspecteur. Je n'ai pas l'intention de contrarier vos habitudes. Je viens vous parler de votre fils. Lequel ? Vous en avez plusieurs ? C'est très possible, vous savez. Je veux parler de Jeremy Collins. Ah, celui-ci. Un toxicomane. Dois-je vous en dire plus, cher ami ? Un toxicomane ? Jeremy Collins faisait partie de ce que je considère être le rebut de l'humanité, inspecteur, pour lequel je n'ai aucune compassion. Vous connaissiez Yukio Lee ? Oh, étais-je au courant ou bien est-ce que je le connaissais ? La première version vous intéresse sûrement. Saviez-vous plus. Que c'était un petit trafiquant ? Sans blague. Je l'ai remarqué, comme tous, que son côté typique de japonais du Sud. Il existe une différence ? Oh, pour vous, ils se ressemblent tous, n'est-ce pas, Morse ? Pas pour vous ? Non. Figurez-vous qu'à la faveur de mes nombreuses pérégrinations, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, par voie de conséquence, d'interroger énormément de Japonais en Extrême-Orient après la guerre et pendant la guerre surtout. Oui, surtout pendant. J'ai forcément appris à connaître leur physionomie, étant donné que j'étais assis pendant des heures devant eux. Mais je conçois que pour vous, un observateur ordinaire, ils se ressemblent tous. Cependant, les Japonais du Sud ont la particularité d'avoir les lèvres plus épaisses et leurs yeux plus arrondis. Vous avez tué cet homme. Vous avez assassiné ce Japonais. Mais enfin, voyons, comment l'aurais-je fait ? Je n'en sais rien du tout. Et pour cause, c'est impossible. On vous a sûrement aidé. Êtes-vous sérieux ? Kurt Friedman. Il n'est pas plus allemand que moi, mais pour que l'illusion soit possible, il suffit de modifier sa fiche pour le rendre plus germanique. Où est ce Friedman ? Vous avez dû lui offrir un passe-partout. Et pourquoi aurais-je fait cette folie ? Pour qu'il puisse se cacher. Je vous avertis que je vais passer votre collège au peigne fin. J'aurais dû le faire plus tôt, d'ailleurs. Je veux que toutes les portes soient ouvertes. Je veux pouvoir regarder partout. J'espère retrouver des traces de quelqu'un qui a été ligoté et bâillonné une journée entière. Et par la même occasion, découvrir où se cache Kurt Friedman. À propos, Graham Daniel est mort. Vous le saviez ? Comment l'aurais-je su ? Je vous demande si vous le saviez. L'aurais-je tué par hasard ? Il a pu découvrir quelque chose sur vous. Peut-être que c'était un ami de votre fils. Peut-être qu'il vous a aidé à assassiner Yukio Lee ou qu'il menaçait de parler ensuite. C'est Jane Robson qui vous a parlé de Yukio Lee. Et vous avez reporté sur lui la responsabilité de la mort de votre fils. Quoi que vous puissiez dire, professeur, je sais que vous aimiez votre fils. J'ignore comment vous avez fait. Je sais seulement que vous étiez tous là à me regarder.
Je n'étais là que pour vous offrir un alibi. C'est pour cette raison qu'on m'a demandé de faire cette grille et de remettre un prix. Je ne vous ai rien demandé. Moi, je pensais que vous étiez un ami de Jane Robson. Un ami? Oui, bien sûr, je l'étais. Je suis toujours son ami, d'ailleurs. La chose la plus suspecte, c'est précisément un excellent alibi. C'est également la plus innocente. M'autorisez-vous à ouvrir la porte? Je vais le faire pour vous. Juste au moment où j'allais être arrêté, monsieur le commissaire. Ah non, voyons, c'est une plaisanterie. Je n'ai pas parlé d'arrestation, j'ai simplement parlé de soupçons que j'avais à votre égard. Je vous soupçonne d'être compromis dans le meurtre de Yukio Lee, professeur Wilfred. Tenez, vous feriez mieux de consulter ça. Qu'est-ce que c'est? Ce que nous savons à l'heure actuelle sur votre japonais, il se trouvait sous surveillance. Quant au professeur Wilfred, il coopérait. Ce japonais faisait partie d'un réseau de trafiquants. Qui est-ce qui le surveillait? Là, je vois. Laissez-nous en dehors de tout ça, voulez-vous? Et pourquoi est-ce que ce serait politique? Ça, c'est ce qu'on ne vous dira pas. Est-ce que nous serons démis de ce dossier, monsieur? En effet. Je veux que vous me fichiez la paix, vous et Lewis. Tout de suite? Oui, tout de suite. Le coup est trop gros pour vous, inspecteur. Vous pouvez continuer à faire vos recherches si vous voulez. Mais je ne veux personne sur le terrain, vous entendez? Tout ce que vous ferez à présent doit rester discret. À mon avis, ce Graham Daniel a tué le japonais pour une simple question d'argent ou de fourniture. Et Graham qui l'aurait tué? Il faudrait que ce soit un meurtre. Et nous n'en savons rien pour l'instant. C'est peut-être une chose entièrement fortuite. Il s'agit peut-être encore d'un suicide, mais nous n'en savons rien. Pour l'instant, ce que nous savons par contre, c'est que ce japonais était un gros bonnet du réseau international des trafiquants et qu'il subsiste toujours une chance pour que quelqu'un cherche à le contacter. Oui, au cimetière, je présume. Ils ne sont pas forcément au courant. Il va falloir trouver quelque chose. Un clone, par exemple? Pourquoi pas? Qui est-ce? Un des étudiants de ce collège qui surveillait cet homme? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que vous le sachiez. Vous trouvez? Graham Daniel, je suppose. Peu importe qui c'était. Ah, ce n'est pas lui. Très bien, monsieur. Voici peut-être votre protagoniste. Vous n'avez pas très bien fait votre travail, vous l'avez laissé tuer. Vous ne croyez pas aux vertus de la coopération, mademoiselle? Je suis désolée. Non, ce n'est pas grave. Êtes-vous sûr qu'ils vous ressemblent tous? Je ne comprends pas. Vous savez ce que c'est qu'un clone? Oui. Expliquez-le au commissaire Dewar, il l'ignore, lui. C'était... Comment avez-vous su que j'étais là? Parce que je suis doué. Herr Friedman ne s'est pas encore manifesté. Non. L'imposteur. Merci, Heidi. Je vais aller parler de nouveau avec Jane Robson. On nous a signifié qu'il fallait laisser tomber tout ça, monsieur. Vous avez reçu un ordre écrit, vous? Friedman n'est pas du tout un trafiquant. Le japonais l'était. Friedman, lui, est impliqué avec Jane Robson. Toute leur manigance est une farce. C'est eux qui ont déposé l'enveloppe jaune dans l'autocar, qui ont inventé cette histoire de carnet d'adresses. Vous vous rendez compte? Tous les noms et toutes les adresses de vos contacts. Vous en auriez fait autant si vous aviez été trafiquant, hein? Aucun d'entre eux ne se doutait, en voulant le faire passer pour un trafiquant, qu'il était au niveau mondial
une personnalité sous surveillance. Où sont les bandits ? Pas un d'entre eux, pas un. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Pas un d'entre eux n'est un véritable criminel dans tout cela. À part notre japonais, la seule personne qu'on pourrait considérer comme un scélérat, c'est encore le professeur Wilfred Mulrein, membre de la Société Royale. Et il n'a rien fait d'illicite. Excusez-moi, Lewis, mais j'aimerais que vous furetiez encore un peu. Je crois qu'avant, elle vivait à Christ Lane. Qui ça ? Jane Robson. Je voudrais en savoir plus sur elle. J'ai connu son père, mais je crois qu'elle devait avoir un frère. Vous croyez ? De quoi est-ce que vous parliez ensemble ? Oui, je sais. Eh bien, nous parlions de musique, par exemple, des choses de la vie elle-même, de musique, de livres aussi, de musique, de mots croisés, de tout, quoi. Mais rarement. Ben, je ne sais rien à son sujet. Sauf que son père a eu une crise cardiaque. Non, Lewis, il ne s'agit pas d'une affaire de stup. C'est beaucoup plus que ça. Il y a une chose qui m'énerve là-dedans. Madame Warbeck, l'année dernière, on vous a ramené un petit carnet d'adresses, une sorte d'agenda. Vous l'aviez remis à Jane Robson. Allons, ne soyez pas muette comme ça, elle m'en a parlé. En effet. Est-ce que vous l'auriez feuilleté par hasard ? J'y ai jeté un coup d'œil. Que contenait-il ? Je n'en sais rien, c'était du japonais. Du japonais ? Et je ne sais pas déchiffrer le japonais. Je vous crois volontiers, moi non plus. C'est quelque chose de rédhibitoire. Les seuls mots japonais que je connaisse sont rudimentaires et péremptoires. Oui, merci. Y a-t-il d'autres japonais ici ? Oxford en regorge à cette période de l'année. Tous des touristes. Non, je veux dire au collège. Aucun. J'ai cru en voir un. Je crains que quelqu'un essaie de me tuer. Pourquoi ? Ce garçon, mort, dans les toilettes. Il était comme Jeremy Collins. Continuez. Je vois bien que quelque chose vous effraie, Jane. Vous devez trouver ça stupide. Non, mais je ne peux rien pour vous si vous ne m'en dites pas davantage. Vas-y, si. Allons au commissariat. Non, je n'y tiens pas. Pourquoi ? C'est un endroit neutre, pourtant. Non, non, allons chez moi. D'accord. Pas de clé ? Non, vos hommes inspectent le collège. Ce ne sont pas mes hommes. T'ennuies pas trop toute seule, Alex ? Non, non, ça va. Pas du tout. Monsieur l'inspecteur ! Monsieur l'inspecteur, il y a un appel pour vous. Merci. Excusez-moi, je dois aller voir de quoi il s'agit. Ça ne fait rien. Je vous attendrai chez moi, je suis là. J'écoute. Je crois qu'on a retrouvé l'allemand, monsieur. Où est-ce qu'il est ? Dans la nature. Je parlais sur toute son identité. Le vrai nom de ce monsieur est Michael Robson. Le frère de Jane Robson. Comment avez-vous su ? Il y a une photo de lui ici. Il y a aussi sa fille. Et elle attend son retour à la maison. À Christ Lane.
Très bien. Vous pouvez revenir ici. Qui est-ce ? Inspecteur Morse. Vous étiez inquiète pour votre frère ? Quoi ? Il est retourné au Japon, peut-être ? Je ne sais pas, Allons, Jane. Je sais bien que ce n'est pas vous qui avez tué Yukioli. Vous n'auriez pas pu faire ça. Un couteau dans le cœur, toutes ces mutilations. Il y a des gens tout à fait capables de faire ça sous l'effet d'une violente colère, mais pas vous, Jane. Vous pensez peut-être que c'est mon frère qui l'a fait ? Eh bien, vous faites erreur, il n'a rien fait. Non, ce à quoi je pensais, c'est que la personne que nous croyons tous être Yukioli était quelqu'un d'autre en réalité. Un autre japonais. Le véritable Yukioli a été enlevé, subtilisé, dès son arrivée. Il a été ligoté, bâillonné, jeté quelque part et alimenté de jus d'orange et de biscuits. Rien d'autre. Et alors votre frère, avec l'aide de Graham Daniel, et sans doute celle du japonais engagé pour remplacer Yukioli par la suite, l'ont tué un peu plus tard. Ensuite, il y a l'épisode du dîner, au cours duquel le double Yukioli joue un malade. Nous l'avons tous vu prétendre être malade et ingérer exclusivement du jus d'orange et quelques biscuits. Je l'ai vu, moi aussi. J'étais censé être le témoin de cette farce. Moi, je vous dis que mon frère n'a pas tué cet homme. Qui alors ? Ce n'est pas vous ? Non. Vous avez vu juste pour le double. Mais il y a eu un accident. Oui, c'est le mot qui convient pour ce qui est arrivé. Yukioli a essayé de s'échapper. Et il y a eu une lutte terrible entre lui et le japonais qui le gardait. Ils se sont battus et le japonais, tout d'un coup, a tué Yukioli par accident. Je vous dis par accident uniquement. Un simple accident. Il ne s'agit de rien d'autre. Michael, mon frère, a juste... apporté la touche finale. Michael était simplement obsédé par la haine. C'était une boucherie abominable. Ah oui ? Est-ce que vous savez au moins ce qui est arrivé à mon père ? Non, vous n'avez rien dit. Tout le monde l'a su. Je ne le savais pas, moi. Si, vous le saviez. Vous le saviez, vous le saviez. Je vous dis que tout le monde sait les tortures qu'on lui a faites. Les humiliations, toutes ces blessures cruelles, les insultes aussi. Il est toujours vivant, vous savez, celui qui a mutilé mon père. Il vit sans regret dans le confort d'une vie tranquille. Il est même protégé par les Américains à l'heure actuelle. Calmez-vous, Jane, calmez-vous et écoutez-moi. Non, je ne veux rien entendre. Rien. Nous avons tout essayé. Nous avons écrit, nous avons menacé. Nous avons tout fait pour obtenir qu'il soit jugé. Pour ses crimes. Qui ? Ce monstre. Ce monstre qui osait torturer mon père. Il l'a crucifié dans un camp prisonnier. C'était aussi un scientifique, un savant. Une bonne excuse pour lui. Il étudiait les effets du gaz sur les êtres humains. Quelques Américains et un groupe de prisonniers anglais, parmi lesquels se trouvait mon père. Les Américains l'ont capturé ensuite, sans réussir à profiter de ses recherches. Alors ils lui ont demandé de bien vouloir travailler pour eux, lui laissant la vie et lui permettant de ne pas être poursuivi pour crime de guerre. Il est vrai que ce monsieur avait des connaissances très approfondies sur le comportement des humains une fois qu'ils ont été gazés. Yukioli était son fils. Ah. Oui. On ne pouvait pas réussir à atteindre le père. Alors on a songé au fils. Savez-vous comment nous l'avons découvert ? C'est ce diable d'homme qui me l'a pris. En prenant un tel plaisir à me le dire. Qui vous l'a dit, Jane ? Wilfred. J'étais très attachée à son fils, Jeremy Collins. Je suis allée le voir pour parler avec lui de son fils, lui demander son aide. Il m'a fait des remarques cruelles sur les relations entre père et fils. Et puis, il m'a jeté au visage que Yukioli était le fils de celui qui avait torturé et mutilé mon père.
J'étais atterrée. Je ne savais rien de lui. Ce n'était qu'un visage. Mais tout d'un coup, j'ai eu envie de... d'une... Revanche? Oui. Je n'aurais pas su le tuer. Mais je n'aurais pas pu empêcher ce qui serait arrivé dès que Michael l'aurait su. Je n'ai rien voulu faire. Je voulais imaginer cet instant. La façon dont on allait le tuer. Les mutilations. Mais de toute façon, il était bien prévu que ça n'arriverait pas. Mais je voulais qu'on l'humilie, qu'on lui fasse très peur, qu'on le fasse hurler, lui faire connaître l'horreur. Je n'ai jamais cru que Michael le ferait. Ni Graham non plus. Qui a tué Graham, Daniel? Votre frère? Non! Graham Daniel était le fils de Michael. C'était mon neveu. C'est donc votre frère qui a pratiqué ces mutilations sur le corps de Hugh Curley. Le couteau dans le cœur. Les coupures aux mains et aux pieds, la langue tranchée nette. Ainsi les pères ont tué leurs fils et tous les fils ont tué leurs pères. Non, pas Michael, c'est impossible. Pas lui. Vous lisez le japonais? Pourquoi l'avez-vous supprimé? Yukyuli. Pourquoi avoir été aussi loin? La cassette remplie de poudre, cette histoire d'agenda, c'était plutôt ridicule. Vous deviez sûrement penser que personne ne s'intéresserait à la mort d'un petit trafiquant de drogue. Ou peut-être vouliez-vous attirer les soupçons sur Wilfred à cause de la mort de son fils? Oui, nous pensions que tout serait confus. Beaucoup de peine pour rien. De toute façon, nous le savions. Hugh Curley était d'ailleurs un gros trafiquant. Vous n'aviez même pas besoin de le descendre. J'ignorais que c'était un trafiquant. Inspecteur? On a trouvé quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous m'aviez demandé de vous avertir. Un cadavre. Kurt Friedman. Michael Robson. Juste là. Oh mon Dieu, Jane. Mars. Bon sang, mais où allez-vous? Jane! Jane! Ouvrez! Jane, ouvrez-moi! Et ouvrez cette porte.
Allez, appelez une ambulance, vite, allez. Qui c'est, ce gars-là? Ce gars-là, c'est le vrai, l'authentique Yukio Lee. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Robson pensaient, eux aussi, qu'il était mort. Ils l'ont sûrement kidnappé dès son arrivée et l'ont caché dans les douches. Michael Robson a dû faire appel ensuite à un sosie japonais pour qu'il remplace le vrai Yukio Lee, qui était pendant ce temps-là ligoté et nourri au jus d'orange. Tout devait bien se dérouler. Seulement voilà, les Robson n'avaient pas prévu que le vrai Yukio Lee maîtriserait son sosie et qu'il prendrait sa place. Quand il voulut enlever le baillon du prisonnier, Yukio Lee inventa le scénario de la fuite du prisonnier, disant qu'il avait dû le tuer pour l'empêcher de parler. Idée judicieuse, puisqu'elle permettait à Yukio Lee de passer pour leur complice, alors qu'il venait de le supprimer de ses mains. Content de ne plus avoir à le tuer, Robson s'est jeté avec enthousiasme sur son prisonnier pour le mutiler copieusement. À moins que ce soit Yukio Lee qui l'ait fait, prenant un plaisir morbide à pratiquer sur le sosie ce que les autres auraient fait sur lui-même. Ensuite, il a réalisé que s'offrait à lui une opportunité à ne pas manquer. Peut-être même qu'il savait déjà que la brigade des stupes l'avait repéré. Même si ce n'était pas le cas, il était bien pratique de passer pour mort. Ensuite, il s'est mis en tête de supprimer tous les témoins de cette histoire. Seulement, il en restait encore un dont Yukio Lee ne pouvait soupçonner l'importance. C'était moi. J'espère qu'elle pourra s'en tirer. Tu as coincé le meurtrier ? Lequel ? Il y en a plusieurs. Ah bon ? J'ai oublié mon stylo. Il doit être sur le bureau. Jane Robson n'a pas pu servir de ce maillet impossible. Il a été frappé par derrière. Je parle du japonais. Elle se faisait étrangler. Le croquet peut devenir un jeu très violent quand il est pratiqué proprement par un expert. Tu parles d'un expert? Le crâne a éclaté comme une coquille d'œuf. Oui. Je sais que ce n'est pas elle. C'est Yukio Lee, l'expert dans cette histoire, dans les arts martiaux apparemment. Comme son père, sauf que son père ne se servait pas de ses mains. Ouais. Malheureusement pour lui, Yukio Lee est tombé sur un ancien adjudant-chef. Il a trouvé à qui parler. D'accord avec tous ces noms, n'est-ce pas, sur la plaque commémorative dehors? Vous savez bien que non. Vous ne croyez donc pas au pardon? Pas complètement. Je pense que je serais peut-être pardonné pour ce que j'ai fait, mais je ne peux pas croire que ceux qui ont torturé le révérend Robson puissent l'être un jour. Leur esprit du mal se situe bien au-delà du pardon. Il a souillé nos vies d'une manière indélébile. Même pour les générations futures. C'était il y a longtemps. Non, pas du tout. C'était hier. J'étais une jeune fille.
J'ai eu tellement peur pendant tellement d'années, je ne l'en pardonnerai jamais. J'ai été tellement effrayée que je suis devenue stérile. Ils ont eu du plaisir à faire toutes ces atrocités au père de Jay. J'ai vu ce genre d'horreur arriver à d'autres. Ils ont fait ça à d'autres gens aussi. Peu d'entre eux ont survécu. Ça les faisait rire. Le révérend Robson a été crucifié. Des baïonnettes lui trouent les mains et les pieds sur un arbre. Parce que c'est un homme d'église, probablement. Ça les fait rire. Il mord sa langue à cause de la douleur, vous ne vous rendez pas compte. Croyez-vous qu'il aurait approuvé? Approuvé? Je crois qu'il aurait été contre ce qu'ils avaient en tête pour Yukioli. C'était insoutenable. J'ai vu les cicatrices sur les mains de ce vieillard, dans le creux de ses paumes. J'ai l'impression qu'il se détestait de porter sur lui les stigmates de la souffrance du Christ. C'est ce que nous faisons aux hommes de Dieu parfois. Nous insultons le Christ à travers eux. Nous renions la création. Et pourtant, il s'est remis à vivre normalement à son retour. Il a mené une existence normale pendant quelques années. Jane est venue au monde. Puis il s'est arrêté. Plus rien. Il se sentait flétri. Brisé. Je n'avais rien à voir avec tout ça. Je savais que quelque chose allait arriver. J'ai de la sympathie pour Jane. Elle m'a demandé de ne rien voir. Et je l'ai fait. Oui, vous l'avez fait. Hélas, il faut que je prenne congé. Excusez-moi, nous reverrons ça plus tard. Au revoir, mon petit. Je vous remercie. De rien, je vous en prie. Madame Warbutt va-t-elle... Revenir ? Oui, je le pense. Grâce à elle, Jane Robson n'a pas été tuée. Je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher autre chose que d'avoir fermé les yeux. Vous n'aurez donc pas besoin de faire appel à une autre économe. Dites-moi, mon cher ami, n'y a-t-il pas moyen d'atténuer encore plus les... Les effets publicitaires indésirables de toute cette affaire. Rassurez-vous, votre collège n'aura pas à en souffrir. En fait, savez-vous que vous êtes lié par le secret avec les services du même nom? Vous n'auriez jamais dû parler de Yukio Lee. Pensez comme cette histoire idiote s'est déroulée il y a belle lurette. J'aurais été de marbre, sinon ces créatures étaient aussi cruelles avec leurs prisonniers qu'avec leurs propres soldats, d'après ce que j'ai pu voir. Les Japonais avaient un alibi pour tout ce qu'ils ont fait. Et c'est nous qui leur en avons fait cadeau. Hiroshima et Nagasaki. Oui. Et qui va prendre revanche de tout ça? Ces policiers ont mis un beau désordre chez toi. Tu t'appelles Alex, c'est bien ça? C'est ton prénom? Oui. J'ai été voir ta tante Jane, tu sais, et je pense qu'elle va mieux. Elle m'a beaucoup parlé de ton grand-père. Je trouve que c'est triste, pas vrai, ce qui lui est arrivé pendant la guerre. Oui, c'est vrai. Comment tu ressens ça, toi? Grand-père était toujours triste. Tu es toute seule? C'est pas grave, papa va rentrer. C'était embarrassant pour mon grand-père, tu sais. Il était très embarrassé. Tout le monde le regardait. Je l'ai connu. On l'emmenait au concert, ta tante Jane et moi. Parfois. Je n'ai jamais pu savoir s'il aimait ça ou non. Il pleurait à chaque fois.
Je pleure souvent au concert, moi aussi, pas toi? J'ai jamais été une seule fois au concert. Oh, mais il faudra que tu y ailles. Thank you.